Paraît-il qu'aujourd'hui à Breng. Oh, on dirait que je vais aller à mes bitches. N'importe quoi. But let's do his brain. I cannot be for no lame. You're not in my lane. I'm that bitch. Remember that. Olive, Annie, bonsoir. Bonsoir. C'est pas trop, on y va aller, de retour pour une nouvelle vidéo, voilà, c'est comme ça qu'on commence. Et je sais pas, le soleil il me met trop de bonne humeur, c'est un truc de baiser, genre j'ai envie de vlogger tous les jours, juste pour le soleil, il fait chaud, ça me donne envie de sortir. Donc du coup je vais aller me faire épiler les sourcils. Oui, c'est une première parce que je me suis jamais fait épiler les sourcils de ma vie. Vous allez être un petit peu choqués, mais moi il y a plein de choses que j'ai jamais faites de ma vie. J'ai envie de dire, je suis un peu une sauvage quoi. J'ai pas le temps. Et je sais que ça fait archi mal. Enfin, en tout cas, de ce qu'on m'a dit, je sais que quand tu te fais épiler au fil, ça fait mal. De toute manière, la beauté de la femme, tout fait mal, j'ai l'impression, gros. Que ce soit les sourcils, que ce soit s'épiler, que ce soit se faire coiffer, tout fait mal. Il n'y a jamais quelque chose qu'on peut faire pour être belle sans souffrir. Jamais. Jamais. J'ai toujours l'impression que quand tu as envie de te faire belle, tu as envie de te bichonner, tu as envie de prendre soin de toi, il faut qu'il y ait une part de mal-être. Il faut qu'il y ait un petit peu de douleur. Je trouve que trop, c'est trop. Oui. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est on kiffe. Oh, Seigneur. Calme-toi, wesh, ma gueule, ok? Je vais pleurer. Je peux plus. Je vais te prendre ça, voilà, comme ça. C'est même pas un peu drôle, j'ai trop mal, frère. Au secours, au Seigneur. Je retiens comme ça. Alors, tu es sous anesthésie. Bref, là, je suis vraiment sortie de chez moi à la Walligan. Regardez mes cheveux. Même pas brossés, même pas peignés. Bref. Ta gueule, tu es moche. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Oh yeah yeah yeah! Hey, le soleil il me donne trop d'énergie, je suis excitée! On dirait que je vais à mes bitches! N'importe quoi! C'est pour ça en vacances je deviens folle. En vacances je deviens folle parce que le soleil il me rend folle. Moi tu me donnes un peu de soleil, c'est parti dans ma tête, ça fait 7 tours. Period bitch! In your Bon là c'est le lendemain, t'as capté, paraît-il qu'aujourd'hui à Breng, déjà la Breng elle a l'air archi suspecte parce que à ce qui paraît le mec du Airbnb déjà il veut pas qu'il y ait de fiesta chez lui. Mais tu connais les gens comme ils sont têtus, les gens ont dit oh, on s'en bat les couilles et tout, il y aura fiesta. Attendez, laissez-moi conduire une tape. Salut la couze, on move. Je suis rejoint la couze, donc faut encore que je me prépare, faut que je lisse mes cheveux, que j'ai pas lissé, faut que je me make up. J'ai pas de la flemme, j'ai grave envie de partir comme ça, plus je lisse mes cheveux je me casse. Que là, peut-être ce soir c'est une amende qu'on va recevoir. Ah ça, dégage. Doucement mais sûrement, je suis en train de me préparer. Oui, la couleur de mes yeux a changé, j'ai mis des lentilles. Et ça date que j'ai mis des lentilles. La dernière fois que j'ai mis des lentilles, c'était quoi? C'était à mon anniversaire. Donc pour tous ceux qui ont vu les vlogs anniversaire, j'ai souvent des lentilles dans ces vlogs-là. Même quand j'étais dans le sud et tout, mes vacances en tout cas, cet été j'avais mes lentilles. Là depuis cet été, j'avais pas remis de lentilles, donc du coup là j'ai remis. Comment j'ai galéré à les mettre. Mon frère depuis tout à l'heure il me demande je suis où et tout. Je lui ai dit je suis déjà dans la ville où on doit être pour la soirée. Il m'a dit t'es avec qui? J'ai dit secret professionnel. Le bouc qui m'agresse, il me dit tu joues à quoi là? Je vous jure les galères, attendez. Tu joues à quoi là? J'écris calm down. T'es pas marrant toi. T'es pas aussi génial. Eh, toute ma vie c'est le faire chier. Toute ma vie c'est le faire chier alors que je suis avec CC, wesh. Raccroche. Mais pourquoi tu veux raccrocher? Non, j'accroche. Pourquoi tu veux raccrocher? T'as pas grave? Ah, ben non, je suis pas grave. Prends les verres, ma gueule. Vous voyez comment il est, lui? Vous voyez comment il est, lui? Il laisse pète le ventre, après il me dit prends Uber Eats. C'est quoi ce commandant par Uber Eats? Non, tu me commandes à Uber Eats. Ah! Ouh, maman Gouyaye! Oui, c'est bon, je l'ai récupéré. Merci, Onel. Oui, c'est bon, il est là, regarde. Vas-y. Bon, du coup, Onel, il m'a pris à graille. J'ai reçu mon Uber Eats.
Je vais manger, après je vais commencer à make-up. Je vous ai dit ça, ça fait déjà une heure, mais j'ai grave la flemme de me préparer en vrai. Avant de me préparer, je me détends. Voilà, je chill. Moi je suis pas trop boboune de base, je vous cache pas, j'aime pas trop ça de base. Mais ça, j'avais mangé ça la dernière fois, c'était pas mal du tout. J'étais un peu choquée quoi. Par contre, la sauce elle est au fou. Bon, là j'ai terminé de me préparer, t'as gâté, la couille est en train de... Je sais pas ce qu'elle fait quoi. Je suis en train de... Voyez si vous voulez des boucles bien fausées, vous allez voir le résultat. Voilà, donc c'est ça qu'elle est en train de faire. Moi personnellement j'ai fini, donc je suis prête, je suis en bombe, j'ai mis mes lentilles, je ressemble à une Barbie vraiment. Qui peut me tester, même pas ton père. Petit, quelle audace! C'est une blague, c'est une blague. Donc, oh, on m'appelle le téléphone. Ah, ça, c'est DSK qui m'appelle. Vas-y, je vois l'adresse. Bon, les gars, c'est la fin de soirée. Il est quelle heure là? Je crois qu'il est 7h du matin. Il est exactement 7h du matin. Je suis partie me chercher un croissant, la feuillette. Donc je suis en train de rentrer chez moi. Comment vous dire? Bah comme prévu quoi, la soirée était nulle. Rien de surprenant, j'ai envie de vous dire. Les soirées Covid là, c'est une catastrophe. Sincèrement, c'est une catastrophe. Toutes les soirées auxquelles je suis partie pendant le Covid, elles ont été éclatées. Pendant la période Covid, j'ai peut-être eu 2 ou 3 soirées qui ont été bien. Mais la majorité des soirées, les Holy Baby, ça passait pas du tout. Hein. Là, cette soirée, c'était... chelou. Putain, c'est tellement bon. T'aimes trop goûter deux fois? Goûter, oui. Et à Paname, il n'y a pas la feuillette. Genre, la feuillette, c'est l'une des boulangeries les plus bonnes de France. Là. Je vous jure. Il n'y a pas meilleure boulangerie que la feuillette. Genre, je kiffe. Là-bas, il y a tout ce qu'il faut. J'étais grave choquée d'apprendre qu'il n'y avait pas la feuillette à Paris. Quand même. C'est dingue. Après, je vais bien dormir. Et quand tu rentres de soirée, la partie la plus chiante, c'est le démaquillage. Je vous jure. Et vous voyez sûrement cette veste et ce haut. Putain, mais pourquoi depuis tout à l'heure, il y a des oiseaux, des chauves-souris, des bêtes qui passent en face de ma voiture. J'en tue une aujourd'hui, quoi. Les gars, si vous kiffez cette veste ou encore le haut que j'avais dans le vlog, je vais sortir le haul très prochainement. Tout ça vient de chez Yes Style. Donc du coup, si vous comprenez pas pourquoi dans 3 jours je sors un vlog et j'ai ces vêtements là et je vous les présente, genre c'est parce que le haul je l'ai filmé bien avant ce vlog. Voilà, c'est pour ça. Avant j'aimais pas les pains au raisin, mais maintenant je kiffe. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, avant vous détestiez quelque chose et à force d'en manger, genre vous avez fini par kiffer. Genre moi les pains au raisin, c'est mon père qui kiffe ça. Mon père il kiffe les pains au raisin. Et à chaque fois il en achetait. Et des fois comme moi je suis toujours en retard au petit déjeuner, voilà, ou sinon je ne prends jamais de petit déjeuner. Et comme mes sœurs elles aimaient pas, elles laissaient toujours les pains au raisin. Et des fois t'as la dalle, t'as rien à manger. Donc du coup tu prends le pain au raisin, tu le mets dans ta gorge. Tu kiffes pas, mais comme t'as la dalle, tu le manges quand même. Et je sais pas en fait, je suis passée d'un meuf qui n'aimait pas les pains au raisin du tout à la meuf qui tolère. Ah, j'ai plus d'essence. C'est la haisse. Bon bah voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous kiffez ce genre de petit vlog, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je continue à vlogger ma vie comme ça quotidiennement. Même si c'est un peu la merde, il se passe jamais rien d'extraordinaire. Et voilà quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter surtout. Le pont, hey, le pont raisin, il est trop bon. Abonnez-vous. Et hey, je la vois cassée alors que la fête a été pétée. Ouais, je t'aime bien. Bisous. Non, ne m'appelle pas chérie, imbécile. C'est terminé là. Fous-moi le camp.